Voici ce qui symbolise la force du père fondateur, Sa Majesté Adjatogbiani de Tado, une jarre contenant du feu qui émet des flammes. Avec cette force, le père fondateur de toute la force Adjatado, Sa Majesté Adjatogbiani de Tado, conduisait armée de maître et avec toute la sérénité requise, là où les semences de cette force ont été réalisées et consacrées. Les temps sont passés et sous le coup des épreuves, la jarre est trouée. Ses descendants se sont constitués en association pour renouveler la jarre et mieux vivifier la flamme. La vivification permettra aux enfants de l'ère culturelle Adjatado, je veux nommer Nigeria, Bénin, Togo et Ghana, de retrouver le temps jadis, le temps de gloire, le temps de prospérité. Car nous passons actuellement, après avoir vivifié la flamme, nous passons de l'étape de la jarre trouée à la jarre renouvelée. La jarre trouée, c'est la jarre de la chute, c'est la jarre de la souffrance. Et la jarre renouvelée, c'est la jarre de la renaissance, c'est la jarre du bonheur. La jarre du bonheur, ils y croient sans réserve. Les cadres ressortissants de Koufo constituaient une association dénommée Minondjou. De façon spécifique, l'association vise, dans un premier temps, à recenser et regrouper tous les cadres ressortissants du Koufo dans un seul.